Non, tu fasses quoi? Tout? Il faut qu'on entende. Le son du son? Ouais, là ouais. Alors, si tu veux, on les prend un quart d'heure en obéissance. Chef d'orchestre, Jean-François Poléa. Comme nous allons voyager, vite, on va prendre le bateau. J'ai demandé au pupitre des tubas pour faire la sonnerie, la fameuse sonnerie du bateau, la sirène. Écoute. Notre ami Valentin. Et Valentin va nous faire les vagues. Donc dans tout le morceau que vous allez écouter après, vous essayez d'entendre la sirène, vous essayez d'entendre les vagues. Mais aussi on est moderne, parce que quand il n'y a pas de vent, ben nous on va pas ramer. Donc on va mettre un moteur. Ah, donc on va demander. À Clara. Maestro. À la musique, essayez de retrouver les vagues. Et faisons une petite escale en Afrique avec un thème très connu dont le pupitre des clarinettes va nous donner le thème principal. Expérience extraordinaire cette année. Donc, nous avons rencontré une artiste, Olivia Ruiz, avec laquelle nous avons passé une journée. Elle a chanté avec nous, on est dans cette journée à la Fondation d'Auteuil pour rencontrer des enfants qui avaient des difficultés. Et chacun des enfants ici devait parrainer un enfant qui n'avait jamais fait de musique. Et donc, le but, c'était qu'en une demi-heure, par séquence d'une demi-heure, les enfants qui n'avaient jamais fait de musique apprennent de la musique avec ces jeunes, et qu'à la fin, on chante une chanson « Je traîne des pieds » d'Olivia Ruiz par la classe orchestre Sisley. Au Rotary qui fait plaisir d'organiser cette soirée ce soir, puisque sans le Rotary on n'aurait pas pu avoir cette classe orchestre, disons-le aussi. Sans le Rotary on n'aurait pas pu avoir cet instrument-là, qui s'appelle le xylophone. Et un petit son xylophone tout seul. Alors on va essayer quand même. Thank you.
l'orchestre, la classe orchestre du collège Alfred Sisley. Alors, c'était la dernière musique, mais on ne partira pas sans vous dire aussi qu'il y a une mission pour cette classe orchestre. C'est d'aller vers les gens qui n'ont pas accès forcément à la musique ou très très loin. Ils sont intervenus déjà dans une maison de retraite. Ils ont été voir très souvent, plusieurs fois par an, les écoles primaires de la communauté de communes de Morez, Seine-et-Loing. Je vous assure que même si le cachet n'est plus joué de leur cœur, parce que pour rien au monde, ils voudraient quitter cette classe.